Sodome. Pour ce premier soir-là, notre titre est simple. C'est même la maman là va comprendre. Notre titre, c'est qui est conquérant, vainqueur selon Dieu. Qui on appelle conquérant, vainqueur selon Dieu. L'expression a pris déjà plusieurs endroits. Je vois partout les gens conquérants, vainqueurs. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit, conquérants, vainqueurs. Puis ils vont les mentir encore que c'est le Saint-Esprit qui leur a dit. Papa Karambri t'a donné ça, ce n'est pas Saint-Esprit. Avant que je commence, tu ne connais pas l'expression. Il faut dire, quand nous on dit Paul, est-ce qu'on a honte? Il faut dire Papa Karambri. L'évangile selon Papa Karambri. Il y a honte dans ça? Hein? Alors, non, toi tu n'as pas menti. Toi tu as prié, tu as une vision, et Dieu t'a dit, que ton année là c'est l'année des corps. Si tu n'as pas entendu conquérant vainqueur, pourquoi tu n'as pas donné ça depuis octobre? Moi j'ai commencé à parler depuis octobre, septembre, octobre. Selon Dieu, qui est conquérant vainqueur? Qui? Qu'est-ce que Dieu appelle un conquérant vainqueur? Femme des passeurs, là. Femme des passeurs. Ça, c'est un ministère, ça. Femme des pasteurs. Au ciel, il y a une récompense pour femme des passeurs. Reste ici. Le gars, là, te flatte. Quand on va l'appeler pour lui donner les récompenses, il dit, et moi, on dit, toi, tu es qui? C'est sa femme. Au ciel, il n'y a pas de femme de pasteur. Tout le monde est femme de Jésus. On a flatté les gens. Et puis les gens croient ça. Quand tu les vois, elle aussi, crie, et moi, comme ça, piqui. Tu as fait quoi? On doit faire quoi? Ah, toi, tu crois qu'ils partent prendre Jean 14, verset 1 et 2. Les gens aiment modifier les choses à leur intérêt. Jean 14, verset 1 et 2. Je m'en vais préparer une place. Quand j'aurai fini, Dieu a en train de construire ma villa. Depuis 2000 ans, Dieu n'a pas fini ta villa au ciel. Normalement, s'il finit ta villa, tu dois partir. Une villa inoccupée? Les démons vont rentrer là-dedans? Il y a des histoires comme ça. Je vais me préparer une place là. Il veut dire quoi? Il n'est pas encore mort. Il n'est pas ressuscité. Quelle est cette place là? La place des lieux célestes. Les lieux célestes n'existent pas. C'est par sa résurrection qu'il s'est assis à la droite du Père, dans les lieux célestes. Quand il a fini, il nous a dit aussi que si nous croyons, il nous amène dans les lieux célestes où on va commencer à régner sur les dominations, les autorités, tout autour. On n'a pas dit une maison au ciel, puisque le ciel n'est pas notre habitation. N'oubliez pas qu'aucun d'entre nous ne restera au ciel en dehors du temps que Dieu va nous donner. Puisque Dieu va créer une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et on revient encore. En ce moment, sur cette nouvelle terre-là, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de jeûne. Il y a simplement ce qu'Adam n'a pas pu faire. Là. On recommence encore. Dans la Bible, hein? On est parti à la maison. Pas la maison, tel lieu de transition. Quand quelqu'un veut construire une nouvelle maison pour ses enfants, il ne les laisse pas dans l'ancienne maison. Il les met quelque part, il casse l'ancienne maison. Quand il a fini de construire, il les ramène. C'est ça que Dieu fait. Il nous amène au ciel, il nous garde pendant un certain temps. En ce temps, il a réglé le sort de Satan. Quand il a fini, il va faire des nouveaux cieux qui ont été souillés par Satan. La nouvelle terre, parce que l'ancienne terre a été souillée, il fait donc la nouvelle terre avec
Jérusalem au centre, la nouvelle Jérusalem, ouais, tout le mot, nouvelle création, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, et il nous ramène là-bas. Et il va, puisque la terre a été créée pour les hommes, et les cieux ont été créés pour Dieu. Le psaume 115, verset 16, 17, si je m'abuse. Il ne change pas ses plans. Il n'a pas échoué. Il connaît la fin avant le commencement. Comment quelqu'un va changer? Que Dieu a changé son plan. Comment Dieu va changer son plan alors qu'il connaît la fin avant le commencement? Oui. La méconnaissance, l'ignorance, la chose la plus terrible que les pasteurs diffusent, que les hommes de Dieu diffusent dans le peuple de Dieu. Alors, qui qui a appelé conquérant vainqueur? Mon frère. C'est les hommes là, conquérant vainqueur veut dire quoi? Celui qui a travaillé. Héros veut dire quoi? Celui qui a fait des exploits. Oh, on dit les champions du monde arrivent. Ils sont allés faire des concours, soit en football ou en boxe. Les champions du monde arrivent. Ils ont fait des exploits. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un que tu es champion. Tu as fait des exploits. Écoute-toi, on va prendre la Bible, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Pour que tu vois. Mon frère, le grand, grand conquérant vainqueur, il est venu du ciel. Il n'avait rien fait pour la terre. Rien. Rien. Par rapport à la terre, là, il n'était pas conquérant vainqueur. Le Père a dit, dans Hébreu, dans le livre de Hébreu 10, verset 8 et 9, il dit, qui enverrai-je? Jésus a dit, me voici. Il n'a pas voulu ni agréer des sacrifices, ni des offrandes. Mais tu m'as créé un corps. Et en vertu de ça, je suis descendu pour faire ta volonté. Je viens pour faire ta volonté. Tout commence là-bas. Toi, tu es ici là. Tu es sauvé pour faire quoi? Le ciel se décide. Tout le ciel. Il voit les anges, les chérubins, voient le conseil divin. Avec le Père qui parle. Qui enverrai-je? Une voix sort. Père, me voici. Envoie-moi. Pour faire quoi? Volonté.